Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vidéo dans laquelle on va parler de Aurélien Tchouaméni qui va très bientôt rejoindre le Real Madrid. Alors les frérots, est-ce que c'est une bonne idée? On va en parler. Tout avant, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, activer la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. Et surtout, n'oubliez pas le pouce bleu, vous êtes sur la bonne chaîne. Le Real Madrid a pris un gros coup, un coup très dur après la clim de Kylian Mbappé, ce dernier qui a fini par prolonger avec le Paris Saint-Germain. Mbappé qui était un recrut très important pour les Merengues qui voulaient boucler ce dossier pour lancer leur mercato XXL pour la saison prochaine. Dans une journée, il a mis un claque aux dirigeants madrilènes qui essaient actuellement de se rattraper très rapidement en bouclant l'arrivée d'Aurélien Tchouaméni. Comme vous pouvez le constater, c'est leur premier objectif que je trouve hyper créatif. Le fait de vouloir close la signature de Tchouaméni pour ensuite se concentrer pleinement sur les renforts offensifs. Car Ancelotti et la direction sportive ont pointé la nécessité de signer une avant-centre, une alternative à Benzema pour la saison prochaine. On a déjà loupé la venue de Kylian Mbappé et de Haaland. Il va falloir faire rêver les supporters. Et faire venir Tchouaméni en premier, qui est lui un milieu de terrain très prometteur avec un prix de 80 millions d'euros. Je pense que c'est peu chose pour le Real Madrid qui n'a pas sorti le chéquier ces dernières années. Maintenant, avoir les services de Tchouaméni, c'est possible, c'est oui, mais est-ce que c'est le joueur qu'il faut? La question qui revient très souvent. Pour tout simplement présenter le joueur, il a un parcours pas mal vu. Il a 22 ans déjà. Depuis à 11 ans, il a débuté dans le club des Girondins de Bordeaux. Durant ses années à la formation, il a intégré les différentes sélections de jeunes de l'équipe de France. Il a compté environ 48 sélections et évolue actuellement avec la sélection U20 après avoir largement contribué au titre de champion de France U19 lors de la saison 2016-2017. Ensuite, le milieu de terrain a réalisé ses débuts professionnels lors de matchs de barrage d'Europa League lors de l'été 2018. En 2019-2020, il participe à 18 matchs en Ligue 1 Conforama avec les Girondins et réalise une passe décisive. Il rejoint l'AS Monaco le 29 janvier 2020 pour 5 saisons. En 2020-2021, il a réalisé une saison incroyable qui le voit couronné du trophée de meilleur espoir du championnat. Il est appelé pour la première fois en équipe de France en septembre 2021. Fini le parcours pour 2021 quand il aura beaucoup plus à faire pour un joueur et en plus milieu de terrain. Alors on va s'excentrer sur l'année 2021 à Monaco pour cette analyse. Révélé aux yeux du monde entier en 2021 pour ses performances XXL à l'AS Monaco et plus récemment en équipe de France, élu meilleur espoir de la Ligue 1 à l'issue de la saison 2020-2021 et nommé dans le 11 type du championnat de France, vainqueur de la Ligue des Nations, il a brillé sur tous les tableaux. Il a même été désigné comme le meilleur milieu récupérateur du monde. Même année par le spécialiste des statistiques SofaScore, intercepté le plus grand nombre de ballons en 2021, environ 139. Il a par ailleurs réussi le plus de tacles qui est de 185 et demeure le troisième joueur ayant récupéré le plus de ballons sur la planète qui est 450. Pour ceux qui ont un rapport avec ses statistiques, ses qualités, Aurélien Tchouaméni est un très bon milieu de terrain, connu pour joueur avoir gagné le plus de duels, 323, que je trouve incroyable. Maintenant, il a un volume de jeu incroyable, un milieu redoutable pour ses adversaires. Il est puissant et très mobile malgré ses tailles. Sur l'exercice 2021-2022, il n'a pas marqué que 2 buts sur 21 matchs joués en Ligue 1. Sa qualité première est la récupération de ballons sans l'entrejeu. Maintenant, est-ce que après tout, Aurélien Tchouaméni pourra remplacer Luka Modric et Toni Kroos? Je ne dis pas oui totalement parce que déjà Tchouaméni est un joueur qui a ses qualités qui restent valables avec lui comme tous les autres joueurs dans ce monde. Mais je peux dire oui, Tchouaméni pourra bel et bien s'imposer au Real Madrid et beaucoup apporter pour le club. Alors pour ce contrat, moi en tant que le président Florentino Pérez, je fonce car on a déjà perdu deux joueurs en ce qui concerne Haaland et Kylian Mbappé. Alors les frérots, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez
Est-ce que Aurélien Tchouaméni peut venir au Real Madrid? Est-ce que c'est un bon choix? Alors moi, je dis oui, je ne sais pas ce que vous pensez. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Parce que déjà, Aurélien Tchouaméni, il est beaucoup jeune. Oui, il n'a pas marqué moins que 2 buts sur 21 matchs joués en Ligue 1. Mais au Real Madrid, il y aura des joueurs à qui il pourra jouer, comme Benzema, Vinicius, Rodrigo. Il est très jeune, Aurélien Tchouaméni. Alors n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Les frérots, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me donner vos avis. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer la suite des vidéos à venir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.